Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Vraiment, c'est super apprécié de vous avoir de plus en plus nombreux d'ailleurs. Merci infiniment à tous ceux qui se joignent à nous. Abonnez-vous, vous êtes là, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Puis on fait partie d'un groupe vraiment euh, des plus hétéroclites, mais des plus éveillés, qui veut savoir tout ce qui se passe, puis qu'il n'y a pas de limites, puis qu'il n'y a pas de préjugés, puis de tabous, puis qu'on n'est pas gêné de parler de quoi que ce soit. Donc, Joignez-vous à cette belle grande famille et merci de votre présence. On est le 5, le 5, et eh oui, le 5 novembre 2019, 16h16. C'est rare qu'on a vu dans l'histoire de l'humanité, je pense que c'est est, est unique notre cas, hein. c'est rare qu'on a vu de gens autant notre, dans nos, notre génération, ceux qui sont là, nos contemporains. 6-7 milliards d'individus exposés à autant de produits chimiques. Tout est chimique. Qu'on passe du savon, qu'on passe par l'eau qu'on boit, qui est remplie de produits chimiques. La terre dans laquelle on fait pousser nos légumes et nos fruits, qui sont cette terre-là qui est remplie de produits chimiques, ces légumes ces fruits qui sont aussi. Et qui se nourrissent de cette terre-là sont remplis de produits chimiques. L'air qu'on respire est rempli de produits chimiques. Pensez-y. La viande qu'on mange est remplie de produits chimiques. Le lait qu'on boit, le fromage qu'on mange. Les vêtements qu'on porte sont souvent aussi hein, euh, enduits de produits chimiques. On voit des réactions, souvent de gens qui ont des problèmes cutanés. On est entouré. On respire de l'air pollué. Il n'y a rien, rien, rien de notre environnement actuel qui n'est pas entaché par la pollution, par les produits chimiques. Et on voit les gens tomber, 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 tomber. On a beau dire que l'espérance de vie, oui, semble augmenter, mais là, on semble être dans une, que, une courbe euh, inverse. Ça commence dans nos pays à nous, l'espérance de vie diminué tranquillement. Parce que tu as un impact incroyable. Ça, c tout c naturellement, c ces. Naturellement, ces chiffres-là, quand on les voit, c'est complètement aberrant. C est, c est du, suivre les chiffres et les statistiques, c'est du n'importe quoi. Pour arriver, disons, à 76 ans, 78 ans, 18 ans comme espérance de vie, c'est calculé sur des décennies, des décennies. Donc, là, ça a pris du temps avant qu'on monte, à 76, 77, 78. Alors ça a pris des décennies et des décennies. Puis avant qu'on voit l'impact de toutes ces morts. Parce que oubliez pas que dans notre monde moderne occidental, le cancer est devenu maintenant la première cause de décès. Puis il y en a. Il y a je pense que chacun d'entre nous, on connaît au moins en 3 et 5 personnes qui sont aux prises avec le cancer, à différents degrés. Tout le monde a une mortalité, au moins par année, sinon plus. Qui est relié au cancer dans les gens qui sont proches de vous. Puis si on va élargir le cercle de nos connaissances, c'est des. Des fois, est, on n'est pas loin des deux chiffres dans les dizaines de gens qui sont morts, on a entendu euh, dont on a entendu la mort par des amis puis des connaissances. Puis quand on demande de quoi ils sont morts, bien, vite sur, sur 10, c'est le cancer. Donc avant qu'on voit la. la, la Déclinaison de cette montée hein, qu'on a eue de l'espérance de vie, ça va prendre des décennies, mais on, on est dedans et on n'en parle pas. Moi, je n'ai pas vu, pendant qu'on fait des crises d'hystérie, on fait des crises d'hystérie dans le monde entier, parce que au mois de juillet dernier ou au mois d'août, je ne me rappelle plus quelle période exactement. À Paris, quelque part, il y a un imbécile qui a mis un thermomètre sur le toit d'un immeuble, en plein milieu du bitume, du béton, dans une journée ensoleillée du mois de juillet, et que le mercure est monté à 40. On est parti dans une crise d'hystérie totale, avec les médias, avec les réseaux sociaux, avec les artistes, les politiciens, comme on le fait à chaque fois que... Une température élevée en plein milieu de l'été. Chose totalement banale. Là, on est dans des records de froid pour le mois d'octobre. Il n'y a personne qui en a parlé. Mais ce n'est même pas ça mon point de vue, mon propos. C'est le cancer, qui est la première cause de décès. On en a fait un petit filet, même pas. Je ne sais même pas si on l'a rapporté dans les médias. Alors que ça aurait dû faire la une de tous les journaux, télévisés, radiodiffusés, imprimés, puis pas juste une journée. Ils nous brisent les oreilles pour pas dire les amourettes avec un thermomètre qui a été mis sur un toit d'un immeuble. Je vous rappelle le contexte. Le toit d'un immeuble en plein milieu de l'été, en plein milieu de Paris, en hauteur en plus, une ville de béton puis de bitume. Puis on est parti en folie hystérique. La même hystérie qu'un enfant qui arrive à la caisse puis qui veut un morceau de chocolat ou un chips puis que tu lui dis non. Ou une petite fille à qui t'enlève sa poupée. Puis peut-être encore pire que ça, une crise d'hystérie. On meurt de façon record de cancer. C'est la première cause de décès dans nos pays industrialisés. Pff, pas un mot. Moi, j'aimerais qu'on m'explique cette folie-là. Puis ce qui me fait peur, puis ce qui me rend triste dans tout ça, puis ce qui est vraiment décevant et déprimant, c'est la naïveté du monde qui embarque dans ces crises d'hystérie programmées. Qu'on leur programme, puis qu'on... en espérant que la foule soit... endoctriné par cette crise d'hystérie, par exemple, du climat. Et qu'on l'embarque avec nous dans cette folie, cette folle aventure. Mensongère. Dans le fond, c'est ça la tristesse de, de ce que tu vois et ce que tu observes. Moi, c'est ça qui me tue, puis qui me déçoit, puis qui me déprime, c'est de voir le monde tomber dans ces pièges-là, puis embarquer là-dedans. Puis être convaincu que c'est vraiment la réalité, que ça y est, on est fini, toutes les glaces vont fondre, on va tout être noyés, et il y aura la sécheresse partout où il n'y a pas d'eau, parce que sinon, tu vas être noyé. Et que ça, ça y est, la vie est terminée si on n'agit pas tout de suite. Puis pour agir, ça veut dire qu'il faut venir nous plumer changer notre mode de vie, nous retourner à l'âge de pierre, pas pour l'élite. Pensez-vous que l'élite va retourner à l'âge de pierre, vous autres? Pensez-vous que l'élite va abandonner ses bateaux de 40 pieds, ses jets privés, ses voitures de luxe, ses maisons qui sont des... des domaines, même plus des propriétés, des domaines. Pensez-vous que ces gens-là vont abandonner leur mode de vie? Non! C'est à vous autres, les crétins, les idiots, qu'on veut imposer ça. Ces gens-là vont jamais... Jamais s'abaisser à vivre comme nous autres, comme ils ne le il ne s'abaisse pas à vivre comme nous autres en ce moment. Pendant qu'on galère, qu'on vit dans des trois et demi, des quatre, des cinq appartements, ces gens-là, même si vous vendez le socialisme, vivent pas dans nos conditions. Les petits artistes que vous voyez puis que vous aimez puis que vous vénérez puis que vous encouragez vivent pas dans vos conditions. Ces gens-là, même s'ils vous cassent les oreilles avec le socialisme, et comme c'est important que vous partagiez votre, votre dû, votre, votre, votre bien, plutôt vos biens, votre salaire, en taxe en impôts pour sauver et éliminer les iniquités. Ce monde-là, ça ne fait pas d'effort, ça ne se sacrifie pas. C'est toujours le même monde qui se sacrifie, mais ce qui est triste, c'est de voir que ces mêmes gens-là embarquent toujours dans ces mêmes pièges. C'est vraiment déprimant. C'est vraiment déprimant. Alors que ça devrait être, sur la... Ça devrait être la seule discussion qu'on a. On est tout en train de perdre du monde qu'on connaît, des nôtres. C'est la première cause de décès. Moi, je ne sais pas, là, mais si on ne se réveille pas, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Je ne sais pas ce que ça prend pour réveiller le monde. Parce que je, ré... je regarde autour de moi, je regarde... Sur les réseaux sociaux, les gens qui sont manipulés, quand ce n'est pas la crise de, du thermomètre, on, sent, on les envoie dans une autre direction avec la crise sur l'immigration. Ça y est, c'est les immigrants qui causent tous les problèmes de la société québécoise ou française ou américaine. Vraiment. Puis on est toujours, toujours envoyé dans des. Hein, comment, comment, comment ces gens-là fonctionnent? Exactement comme je vais vous l'expliquer. Nos élus, nos élites, puis nos zélotes, c'est les maîtres de chiens. Eux autres, ils ont les balles dans la main. Puis comment ils fonctionnent? Avec nous autres, le troupeau de chiens, ils lancent une balle dans une direction. Puis qu'est-ce qui arrive avec des chiens? Ça ne réfléchit pas à un chien. Il veut juste être excité pour faire plaisir à son maître parce qu'il sait qu'il veut que son il sait très bien que son maître veut qu'il aille chercher la balle et lui ramène la balle. Pourquoi Pour la relancer de nouveau dans une autre direction. Et le chien sera tout excité de partir dans cette direction et retourner chercher la balle et la ramener à son maître en se faisant aller la queue en attendant que le maître la relance dans une autre direction. Et c'est comme ça jour après jour après jour après jour puis nous autres on n'apprend pas. On est ce petit chien bien dressé qui répond au pied de la lettre à ce que son maître lui demande. Puis franchement, ce n'est pas demain matin qu'on va s'en sortir, les amis. Sans juger qui que ce soit. Parce qu'on n'est pas là pour juger. Je fais juste le constat que... Il n'y a rien qui pourra être fait pour améliorer nos vies, puis changer nos vies, tant qu'on va rester dans ce rôle de petit chien dressé qui attend juste que son maître lui lance la balle, pour épater son maître, en allant chercher la balle, puis en lui ramenant la balle, en attendant qu'il la relance. Franchement, il fallait que je vous parle de ça, parce que vous le savez, j'aime ça une fois de temps à autre, vous débalancer, vous provoquer, parce que dans le fond, si on ne se fait pas provoquer, comme le chantait un des, des chanteurs que j'ai le plus écouté quand j'étais... Jeune adolescent, Léo Ferré, a un immense provocateur. Mais je vous aime. <laughs> je vous reviens!